Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le 1er mai 1900. Voici qui prouvera que Monsieur de Fraissinet n'est pas un homme politique à courte vue. L'honorable sénateur a communiqué hier à l'Académie des sciences une note fort curieuse sur les planètes télescopiques. Il a étudié les mouvements de 428 de ces astres encore fort peu connus. Entre autres particularités, il a observé que l'allongement ou l'excentricité, selon le mot consacré, des orbites décrites était d'autant plus prononcée que leur plan était plus incliné sur l'équateur solaire. Au contraire, il est moins prononcé pour les planètes plus éloignées du Soleil. Elle serait, d'après les calculs de M. de Fraissinet, la conséquence normale de l'hypothèse bien connue de Laplace, admettant que les planètes ont pris naissance dans les anneaux de matière qui se seraient successivement détachés du Soleil pendant sa condensation. Les conclusions de M. de Fraissinet seront-elles ratifiées par les astronautes ? Sur l'avenue Nicolas II, le petit palais ouvre à deux battants sa haute et large porte. À l'entrée, dans une sorte de vestibule ornée de splendides tapisseries anciennes, on remarque deux pièces célèbres, le Mercure gaulois d'Autun et le calvaire en ivoire du XVIIIe siècle de Jaillot. Et tout de suite, on accède à la salle des ivoires, où sont réunis les plus rares et les plus beaux spécimens qu'on ait jamais rassemblés dans une collection. Bonne journée, Madame, Monsieur, et à demain.